C'est quoi un paradis fiscal? Oh là là, plus que 4 heures pour expédier cette déclaration d'impôt. Mademoiselle Placenet, nous n'y arriverons jamais. Si seulement vous vous rappeliez où sont ces papiers de la banque. Je les ai justement mis quelque part pour ne pas les perdre, mais je ne me souviens plus où. Ah, oh, c'était ici, derrière les cornichons. J'aurais dû y penser. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est le jour où il faut rendre sa déclaration d'impôt. Ah, ils n'ont pas ce souci dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux? C'est quoi ça encore? C'est comme ça qu'on appelle les endroits où il n'y a quasiment pas d'impôts. Et du coup, beaucoup de gens riches, et surtout d'entreprises, font semblant d'y être installés. Quoi? Un paradis où on fait semblant d'être installé? Imagine quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Dans un pays normal, il devra payer des impôts pour payer les services publics. S'il veut garder tout son argent pour lui, il sera tenté d'aller le déposer dans un paradis fiscal. Fiscal, ça veut dire qui concerne les impôts. Un paradis fiscal, c'est donc un paradis pour ceux qui ne veulent pas payer d'impôts. Notre ami peut y placer son argent. On ne lui posera pas de questions. Il paiera très peu d'impôts et surtout son argent continuera à lui rapporter encore plus d'argent. Et si les services fiscaux de son pays demandent des renseignements, on leur dira qu'on ne sait rien. Mais c'est malhonnête! Le plus grave, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises et de banques qui font ça. Elles y cachent une partie de leurs bénéfices pour faire encore plus de bénéfices, alors que tout cet argent aurait pu servir à produire des marchandises plutôt qu'à augmenter artificiellement la valeur des entreprises. Et c'est une des raisons de la crise actuelle. Alors, beaucoup de pays tentent de se mettre d'accord pour obliger les paradis fiscaux à coopérer avec les autres pays. Voilà, professeur, j'ai fait le total. La déclaration est terminée, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Tu vois, ici c'est la transparence. Voyons ce total. Oh ça alors, j'ai gagné tout ça. Je me demande où est passé cet argent. C'est pas tous les goûters que tu nous as achetés au moins.